Et sans transition aucune, on enchaîne avec le blabla. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo autour de la trompette. Bonjour Jean-Luc Parisier, je suis désolé, j'étais un peu en retard. Il a fallu que je fasse la publicité sur les réseaux sociaux parce que si on ne dit pas aux gens qu'on est en live, les gens ne le voient pas forcément. Voilà, et comme il y a énormément d'offres, il faut pouvoir mettre des choses. Alors, on met la musique d'attente. Et voilà. Il commence à prendre forme un peu ce stream. Donc bonjour et bienvenue aux gens qui sont sur Twitch, aux gens qui sont sur Facebook et aux gens qui sont sur YouTube. Nous sommes dans un nouveau stream de la trompette et le stream du dimanche, c'est le stream des invités. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous dire qui va être invité, je pense que vous savez. Nous allons accueillir Adrien Jaminet qui le voyez-vous, alors c'est dans ce coin-là, voilà. On voit qu'il a follow la chaîne il y a pas très longtemps, c'est le dernier. Donc bienvenue Adrien. Déjà, vous pouvez aller voir, je vous mets vite, très vite, et on en reparlera tout au long de l'émission. Les liens fondamentaux, c'est-à-dire le site d'Adrien pour aller voir son travail, son entreprise, vous allez voir, on va en parler, il y a plein de choses. Bonjour Ironique. Ensuite, hop, le lien de la page des Trompettes Alfred, et ça c'est vraiment un sujet qui va être long dans cette émission, je pense. On va essayer de pas dépasser l'heure, hein, comme d'habitude. On va parler de ça, mais évidemment, Adrien c'est avant tout un trompettiste aussi, donc on va parler de trompette, on va parler de sa pratique, qu'est-ce qu'il fait comme exercice, qu'est-ce qu'il chauffe, est-ce qu'il joue encore, est-ce qu'il a encore le temps de jouer beaucoup. On va parler brass band, parce qu'il joue au brass band de Paris, c'est-à-dire le Paris Brass Band. Il joue, enfin bah, voilà, beaucoup de choses. Et bonjour Gérard, bonjour à tous, hein, bienvenue, vous êtes nombreux sur Twitch, ça fait plaisir. Je sais que vous aimeriez bien qu'on le refasse tous les dimanches, le stream des invités, on me le demande souvent, mais ça n'est pas possible pour l'instant. Alors, il y avait une chose que j'ai pas faite, voilà, je savais, il y avait un truc que j'ai pas fait. C'est magnifique Donovan, merci, salut Alchimiste, j'espère que le son est bon. Je fais un effort, hein. J'essaye désespérément de remonter ce micro. Aïe aïe aïe. Voilà, voilà. Comme ça, on m'entend un peu mieux. Alors, deux petites choses. La première, c'est... on a lancé un site, hop, je vous le mets, avec des copains, François, Loïc, Marie-Dor. On a lancé un truc qui s'appelle trompetteactu.fr. Et Trompette Actu, depuis... C'était un blog, hein, c'était un blog WordPress. Et ben, depuis jeudi, c'est une application Apple... Voilà, je le dis, je le balance comme ça. C'est disponible sur l'Apple Store. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Trompette Actu, Apple Store. Est-ce que j'ai le lien? Non, j'ai pas le lien. Il va falloir évidemment que j'aille le chercher dans mes messages Facebook. C'est pas grave. On va le faire très vite. Ça, c'est le site du blog. Qu'est-ce que c'est Trompette Actu? En fait, c'est un site qui recense les actualités de la trompette, comme son nom l'indique, hein, où on va essayer de mettre... notre devise, et parce qu'on en a une, vous voyez, on est des beaux gosses, hein, notre devise c'est... Alors où est-ce que j'ai mis mon message là? Tac, c'est là. C'est informer sans juger. C'est-à-dire on informe, on ne juge pas. On va pas vous dire ce CD c'est de la merde, on va pas vous dire cette trompettiste ou ce trompettiste c'est des branques, on va vous dire voilà, ce trompettiste il fait un concert tel jour et sa spécialité c'est plutôt du bal ou plutôt de la musique classique, la musique contemporaine. On va vous dire Helmut sort un nouveau CD, ce qui est vrai, au mois de janvier, vous allez voir l'article sort bientôt. On va vous parler de tout ça avec sans aucun jugement, vraiment, en disant allez voir. Moi je pars du principe que quand on n'aime pas quelque chose, bah en fait ça va plaire à quelqu'un d'autre. Donc même si j'aime pas, je vais dire une bêtise, mais si j'aime pas le bal, ce qui est faux, hein, mais si j'aime pas ça, bah je vais quand même en parler, je vais relayer l'information, tout simplement. Et on est là aussi pour relayer vos informations. Donc si vous-même, trompettiste, vous avez des infos, et bah vous nous les envoyez et on vous les donne. Alors on va demander à mon cher Ethan Truck de balancer le lien. Hop, voilà. Le lien de l'application sur l'App Store, voilà. Et je le remets pour les gens qui sont sur YouTube, sur Facebook. Alors, sur Facebook, l'appli iOS, ça marche. Merci Bruno et ravi de te voir. Ouais, je suis content que l'appli iOS marche, c'est vrai. C'était pas gagné parce qu'elle a été refusée une première fois. Parce qu'il faut quand même savoir que, voilà... Je la donne entièrement, gratuitement, mais elle a un coût. Hein. Apple, c'est vraiment des chacos, des fois, comme on dit. Hein. Il faut payer 100€ l'année pour pouvoir mettre une appli, et après, il faut payer l'appli. Enfin, bref, c'est une petite somme assez sympathique. Et donc, pour ne pas vous le cacher, j'avais mis au début un petit bouton de don dans l'application où vous pouviez aider, comme là, sur le stream, vous pouvez aider le stream de la trompette à perdurer en faisant des dons sur PayPal. Malheureusement, Apple ne veut pas qu'on fasse des appels aux dons dans ses applications, donc je me suis fait refuser l'application pour ça, donc
donc c'est pas grave, j'ai supprimé le don. Si vous voulez faire un don, faites-le sur PayPal. Si vous voulez pas faire un don, faites pas de don. On fait pas ça pour l'argent, donc c'est pas grave. Alors ça, c'était la première info. Donc Trompette Actu, n'hésitez pas à l'installer. On est déjà 37 à l'avoir installé, ce qui est plutôt sympa pour de la trompette. On a une trentaine d'articles. On essaie d'en sortir 2 à 3 par jour. Voilà. Je vais pas parler beaucoup plus parce que je déborde déjà. J'avais dit 11h05 à Adrien. Et je parle beaucoup trop. Donc la deuxième info que je voulais vous donner, et ça c'est justement parce que ça ne sortira pas dans Trompette Actu, parce qu'on parle que de trompette malheureusement. Alexandre Collard, qui était là dans les streams invités, je vous mets son lien. Hop, dont un qui vient de sortir, allez voir la recommandation du Capitaine hein, du week-end. Alexandre Collard a sorti un nouveau CD. Voilà, le CD s'appelle Aquarelle, je vous le montre. J'en ai reçu un, hein. C'est très gentil. Avec une petite dédicace si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux. Voilà, très belle pochette hein. On voit Alexandre, Nicolas Royer, tu bois beaucoup d'eau. Ouais, mais c'est normal. Je suis un peu malade, Kevin. Eh ben, bienvenue, Kevin. Et donc, hop, le petit CD qui est très joli. Voilà, très très beau. Un très beau CD avec des belles photos de Natacha Colmé, qui est donc l'épouse d'Alexandre. Voilà, c'est vraiment une famille talentueuse. Et voilà, enfin, je vous le montre. C'est de la musique française. Hop, vous verrez pas, parce que c'est pas très... C'est flou à la webcam, mais bon. C'est de la musique française, Bozza, Français, Debussy, Vignerie, etc. C'est très très beau. Un peu les riches, on sait pourquoi. Mais exactement, Bruno, ils font vraiment pas de cadeaux. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a une trompette, on a une appli. Maintenant, je vous la montre, regardez, elle est belle. Elle est là, ici, comme ça. Et quand vous faites ça, hop, tac, ça fait une petite trompette actu. C'est trop beau. Et vous voyez là, par exemple, j'ai une petite notification en haut. Ça veut dire qu'il y a un nouvel article qui est sorti. Et vous pouvez aller voir. C'est la recommandation du Capitaine sur Ennio Morricone ce matin. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, on arrête de parler de tout ça, on a parlé de Trompette Actu, on a parlé d'Alexandre Collard. Et je vous rappelle, et j'en profite parce que Bruno est dans le chat, on a fait un stream il y a 2 semaines avec Bruno Tomba. Il est disponible en replay sur YouTube, dans la playlist les streams des invités. Mais sans plus tarder, parce que vous n'attendez que ça, on va passer la parole à Adrien. Donc hop, je change d'écran, attention, hop, voilà. On va baisser la musique d'attente, là vous me voyez deux fois mais c'est normal. Hein. Et je vais intégrer Adrien, hop, c'est parti. Je vérifie qu'on entend bien. Alors, et salut Adrien. Salut. Ça va? Ouais, toi? T'as pas attendu trop longtemps? Non, pas du tout. Je suis désolé, je parle énormément. Donc j'ai un peu présenté l'émission aux gens. Alors attends, je vais découper un petit peu au-dessus de toi parce qu'on me voit sinon en double. Hop, c'est parfait ça, tac. C'est les rognages en direct. Et donc j'ai présenté un petit peu, j'ai parlé évidemment de ton atelier dont on va reparler, ouais. J'ai parlé des trompettes Alfred et on va en reparler. Il y a déjà beaucoup de monde qui sont présents et qui écoutent l'émission, donc on va avoir des questions et ça fait plaisir. Mais avant toute chose, on va commencer l'émission en parlant trompette. Donc ouais. Tu es trompettiste malgré le fait ouais, que tu sois artisan. Ouais, complètement. Est-ce que par exemple c'est la trompette qui t'a amené à devenir artisan? Moi, j'ai découvert ce métier de la réparation et donc l'artisanat qui va autour de la fabrication, mais avant tout de la réparation. Par hasard, en fait, comme tout le monde, en troisième, j'ai fait un stage d'entreprise. Mmh. Et comme je faisais de la trompette et que j'aimais bien ça, je me suis dit, tiens, je ferais bien ça dans un atelier. Donc, j'ai fait ça à l'époque à Paris, chez Feeling Music à l'époque. Ouais. Et je me suis vraiment pris de passion pour ça. Donc j'avais une quinzaine d'années, à tel point que en fait, j'y retournais quasiment tous les week-ends en fait, après ce stage. Tous les samedis, en fait, j'achetais des vieux instruments dans les brocantes. C'est génial ça. Et ce que je faisais en général, c'est que j'achetais dans les brocantes, les instruments, je les retapais. À neuf, je les revendais plus cher que je les avais achetés, mais avec ce que j'avais gagné, je m'achetais des outils. Ça, c'est petit à petit, quoi, dès la troisième. Et à 18 ans, j'avais tous les outils. Voilà, et puis, en fait, donc moi, à côté de ça, donc, j'étais étudiant en trompette. Moi, j'étais au Cérard de Boulogne chez Frédéric Prel. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'être dans cette classe-là, mais dans un moment un peu particulier, parce que c'était... un peu le moment où chez Frédéric Prel, il y avait plein de gens qui jouaient super, super bien. C'était la génération Nicolas Pardo, Nicolas Châtenay, Laurent Dupéret. Ah ouais, des gens qui sont vraiment devenus pros, qui ont fait orchestres. Moi, voilà, ouais, donc j'étais un peu plus jeune. Mm-hmm. Et ils me voyaient, donc moi, je venais prendre mes cours de trompette avec eux, on faisait les chauffes, etc. Et puis petit à petit, en fait, je vous montrais les petites réparations que je faisais, mais c'était vraiment un hobby, quoi.
Et puis oui, ils ont commencé à me demander à réparer leur trompette. Et puis petit à petit, j'ai commencé à réparer la trompette du copain, du copain, du copain, du copain, du copain, du copain, du copain. Et puis, j'avais quoi, j'avais. Et puis je continuais toujours à continuer un petit peu à me former en retournant voir le luthier qui m'avait appris. Et puis. Et puis après, suite à ça, ils avaient créé le statut d'auto-entrepreneur. Donc je m'étais dit, tiens, je m'étais dit, tiens, ça correspond pas mal. Surtout qu'à l'époque, j'étais étudiant et c'était assez avantageux quand tu étais étudiant. Donc j'avais fait ça dans le garage de mes parents, mais sans aucune ambition. J'ai fait ça, j'avais 20 ans, tout juste 20 ans. Et sans aucune ambition, sauf qu'au bout de 6 mois, je comprenais pas. J'avais des mecs d'orchestre qui m'appelaient, des mecs de l'opéra, du filard, c'est génial. Et tout. Et je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait de dire mais pourquoi. Dans le garage de tes parents, quoi. Dans le garage, ils sont tous venus. Et puis en plus, ceux qui sont venus s'en souviennent, c'était très bas de plafond. Donc la moitié des gens, ils étaient comme ça quand ils venaient dans l'atelier. Et donc voilà. Et puis après, ce qui a été aussi un petit peu déterminant, c'est que je réparais. Et justement, à l'âge de 18 ans. À côté de ça, un truc qui n'a rien à voir, mais qui a finalement un petit peu à voir, c'est que moi, je faisais beaucoup de golf à l'époque. Et un jour, en allant en voyage en avion, mes clubs se sont cassés dans les transports. Et j'ai voulu les faire réparer. Et c'était un peu compliqué et tout. Et puis, on m'a indiqué un réparateur de club de golf. Ça s'appelle un club maker. Et je suis allé aller chez un mec, pareil, un peu dans son garage, etc., qui faisait tous les joueurs pros. Et le mec, c'était monstrueux. Il mesurait tes mains, il mesurait tout. Enfin, il faisait tout un tas de mesures pour faire des choses sur mesure. Et je me suis dit, mais en trompette, ça n'existe pas, ça. Et donc, je me suis dit, c'est ça que je veux faire avec le savoir-faire que j'ai un petit peu. Et puis aussi mon réseau de copains. Et donc voilà. Après, je me suis rendu compte. Donc, j'ai commencé à faire ça. Mais je me suis rendu compte que finalement, ça existait déjà. À l'époque, j'étais tout jeune. Je ne connaissais pas les Bob Malone et plein de super artisans qui existent à travers le monde. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, je savais pas que ça existait, mais à ce moment-là, j'ai voulu faire ça. Et c'est comme ça que s'est développé mon petit atelier. Et puis, à un moment donné, ce qui est rigolo, c'est que à force de monter des branches, de faire des choses et tout, j'ai eu besoin de pièces détachées. Et donc, j'ai été amené à appeler des fabricants en disant moi, j'aimerais bien de la pièce détachée, j'ai un petit atelier, j'aimerais bien des branches, des coulisses, des choses comme ça. Et ils m'ont dit, écoutez, oui, si vous voulez, mais pour pouvoir avoir des pièces détachées, il faut vendre. Alors, je dis, je vais essayer. et du coup, tu es devenu vendeur après. Et c'est comme ça que je suis devenu vendeur, mais complètement sans aucune formation, sans aucune. Et pour la lutherie, alors, est-ce que tu t'es formé après, du coup? Alors après, donc, je me suis formé chez cet artisan un peu sur le tard, mais après, j'ai eu besoin de faire des choses un peu plus particulières et donc je me suis formé chez d'autres luthiers, mais un peu à l'étranger. Je suis allé chez René Hagmann, qui est le dieu du trombone à Genève, en fait, qui fabrique des noix. Et donc je suis allé quelques mois chez lui. Et également en Allemagne, chez des fabricants de trompettes à palettes, me former. Puis après également, j'ai complété ça très souvent en allant visiter des usines, en allant visiter des ateliers. Et c'est vrai que j'ai ramené plein de petites méthodes et qui fait au final ma petite méthode à moi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une école pour apprendre la lutherie, qui s'appelle l'ITEM, qui est au Mans. Mais en fait, cette école, qui est une super école, la formation, elle est à 80-90% sur les bois, je dirais. Ouais, et donc, c'est rigolo, il m'envoie beaucoup d'étudiants. Et ce qu'on fait chez nous, il y a plein de méthodes qu'ils n'ont jamais vues, des choses simples ou un peu plus compliquées. Et c'est assez rigolo. C'est nourri un peu aussi de l'étranger, c'est que l'ITEM, c'est très français. Oui, complètement. Non, puis il y a aussi un lien parce qu'en France, on a hélas plus de grands fabricants. Et l'ITEM forme aussi beaucoup de gens qui vont travailler ensuite chez Selmer, chez Buffet et ce genre d'usine, quoi. Moi, j'ai un ami qui a fait l'ITEM, justement. Il est réparateur à Tourcoing. On a ouvert un atelier de réparation. D'accord. Il est clarinettiste et il est plutôt... Ouais, bien sûr. Puis, il n'aime pas débosseler des cuivres, par exemple. C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'en plus de ça, les bois, y a un vrai lien avec... Enfin, si les lièges, les tampons, ça ne marche pas, il y a un entretien vraiment régulier à faire sur les bois
qu'il y a moins à faire sur les cuivres, mais c'est des choses que j'essaye de faire changer parce que je me rends compte que en entretenant bien son instrument, ça optimise bien Ça manière de jouer, quoi. Voilà. On a trop l'image que la trompette, c'est une résistante, on peut la mettre dans la neige, la laisser Ouais, dehors et tout. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a Ouais, un souvenir de Bruno dans le chat qui dit il y a des super souvenirs dans le garage entre le linge qui séchait et les caisses d'instruments. Je Ah pense que ouais, ça doit être assez c'est vrai, il y a grandiose. plein de gens qui viennent chez moi se rappellent de ça. Ça rappelle de ça, puis ce qui est rigolo, c'est qu'après, quelques années après, donc j'ai eu l'occasion d'acheter un grand local à côté de Boitigny-sur-Orge, enfin à Boitigny-sur-Orge, à côté de la gare, pardon. Et donc là, c'est très grand, ça fait 250 mètres carrés, voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais dans le garage, moi, je n'avais pas l'impression que c'était petit, et bon, c'est chez mes parents, donc forcément, j'y retourne de temps en temps, et des fois, je retourne tourner des trucs, et je me dis, waouh, c'est Comment tout t'as fait petit. quoi? Ouais, tu te dis comment j'ai pu Ouais, j'avais là-dedans une quoi. espèce. Et puis l'avantage que j'ai eu aussi, puis c'est aussi ça a participé au charme aussi, je pense, du fait que ça a bien marché au début, c'est que j'étais tellement jeune que à 20 ans, j'étais insouciant complètement des choses qu'on me demandait et tout. Et je m'en suis rendu compte après que ça touchait un petit peu les gens, cette jeunesse et cette insouciance. Il y a même des choses que j'ai fait ou que j'ai demandé à l'époque à certains. Personne que des fois je me dis, oh là là, je lui ai demandé J'étais ça à dingue, lui et ouais, tout. j'étais dingue. Mais Ouais, c'est donc, beau la folie de la jeunesse. ouais, complètement. Tu vois, tu as déjà reçu Romain Leleux, tu Ouais, sais, tout à fait. Romain, quand je l'ai rencontré, je m'en souviens, j'étais chez Feeling, j'apprenais. À l'époque, ils avaient un quintet, ils allaient répéter à la cave. Et je m'en souviens être alors leur demander s'ils pouvaient aller écouter les répétitions. J'allais écouter les répétitions au CNSM et tout. Enfin, c'est des bons souvenirs que j'ai Ouais, pu c'est refaire génial. de rencontres, quoi. Alors, justement, Voilà. tu vois, c'est la chose à retenir, c'est que le stage de troisième peut servir à quelque chose. Ah ouais, je suis C'est qu'on super peut s'en servir. et je suis super sensible à ça, c'est rigolo parce que forcément maintenant j'ai plein de demandes, enfin plein de demandes, j'ai des demandes comme toutes les entreprises et c'est vrai que c'est quand tu reçois, c'est pas forcément parce que enfin des fois c'est un peu contraignant et je suis super sensible à ça et moi j'accepte toujours les stages de troisième parce que c'est vrai que enfin moi la passion est venue à ce moment-là quoi. Ouais, c'est fou. On s'en doute pas parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'en troisième, on sait pas ce qu'on veut faire et on fait un stage comme ça, lambda. Mais Ouais, donc, complètement. réfléchissez bien les jeunes. On peut avoir la vocation au stage de troisième. C'est une bonne Ouais, morale. c'est venu comme ça. Après, ça s'est pas formalisé tout de suite en troisième où j'ai dit je veux faire ça. Hein. Moi, ça s'est un peu développé, un peu Petit à petit, ouais. petit à petit. Même pour être très honnête, au moment où j'ai créé mon atelier et que j'ai fait ça en auto-entrepreneur et que ça a commencé à se développer, c'est un moment où je continuais à pas mal jouer de la trompette. Je cachetonnais pas mal. On parlait des gens comme Laurent Dupéret, il me faisait venir à des orchestres comme à l'Amoureux et tout. Et à un moment donné, j'étais presque frustré que ça prenait de plus en plus de place. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic où je me suis dit, ah non, mais je préfère vraiment faire ça Ouais, à fallait faire autre chose. choisir quoi. T'as dû faire un Ouais, choix. ouais, ouais. Et je m'en souviens, le jour où c'est ça, c'est un jour où ça commence à pas trop mal marcher. Parce que moi, mon atelier, il est à Boitigny-sur-Orge. Mais toutes les semaines, en fait, une fois par semaine à deux fois par semaine, je vais à Paris chercher. Des choses dans les orchestres, dans les conservatoires, des réparations, des essais, ce genre de choses. Et je m'en souviens un jour être allé, le même jour, je suis allé à l'Opéra Bastille, je suis allé chercher des instruments, j'avais refait tout le tour. Après, j'étais allé à l'époque, l'orchestre de Paris était à Pleyel, j'étais allé chercher des choses à Pleyel. Et puis, juste derrière, j'étais allé à la radio, enfin, j'avais fait les trois plus gros orchestres parisiens et je me suis dit, putain, c'est génial. Enfin, Ouais, c'est clair, tu côtoies beaucoup de gens, beaucoup de belles La même personnes. journée, j'avais vu les 10 trompettistes enfin, qui te font rêver quand t'es gamin, donc c'était rigolo, quoi. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on a une question de Stalouche, on va la faire tout de suite, après on va enchaîner dans Ouais. notre discussion. Il demande, est-ce qu'une reconversion pro dans la réparation de cuivre est quelque chose qui peut s'envisager sérieusement, notamment au niveau de l'offre, de la demande, les débouchés, et il Bah. demande le parcours de formation. Ouais, alors c'est quelque chose ouais, qui est assez courant et compliqué parce que, comme je disais, en fait, il n'y a qu'une école pour faire ça. Parce que qui dit reconversion, bah, dit malgré tout un petit peu études. Moi, j'ai commencé très jeune et ça s'est développé. Mais donc, l'ITEM fait des stages. Tu as plusieurs diplômes. C'est le CAP qui peut être fait, ce qu'on appelle en temps plein. Donc, pendant un an, tu fais que ça. Et tu as des stages, voilà, où tu peux être en apprentissage. Tu dois avoir un maître, ouais, je crois. Virgile avait fait Voilà, ça voilà. comme ça, il avait un Ouais, c'est maître, ouais. ça. Alors, après 30 ans, il me semble que c'est souvent des reconversions et c'est que des On commence que en CAP temps plein. Voilà. Après, ce qui est très dur, c'est que faut pas être. Faut pas, enfin, des postes de dire je veux faire travailler que dans le cuivre, très honnêtement,
Je pense qu'on est trois ou quatre ateliers en France à faire que du cuivre, quoi. Ah Donc, ouais. c'est vrai que la formation, comme je disais, elle est quand même beaucoup sur les bois. C'est des reconversions qui sont possibles. Mais le problème de ce... Enfin, c'est pas le problème, mais c'est de ce milieu-là, c'est que c'est un peu comme la musique, hein. Là, y a assez peu de travail à la fin, il y a assez peu d'ateliers en France. Il y a beaucoup de réseaux en fait, Ouais, tout simplement. complètement, complètement, complètement. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont envisageables. Et c'est vrai qu'il y a des régions qui sont moins pourvues que d'autres en termes d'ateliers. Et c'est pour ça qu'il y a de la place un petit peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que C'est c'est ça, ouais. pas si Faut voir facile que ça. aussi d'où on part, quoi. Parce que c'est vrai que quand on pense Voilà. à des régions comme Paris ou même le nord de Ah la ben, France, bien sûr. c'est Ouais. assez chargé. Et Ouais. trouver sa place, c'est compliqué. Alors, il demande s'il n'y a qu'une seule école. Oui, c'est l'ITEM du Mans. Donc ça, je vois Voilà, très bien. alors pour la reconversion, il y a même aussi une autre formation qui est vers Orléans, je crois. J'ai un copain qui a fait ça, qui était un trompettiste, s'appelle Tristan Saunemont, qui a monté son atelier à Orléans, qui a fait une autre formation dont le nom m'échappe, qui est une formation justement pour les gens qui font de la reconversion ou qui font ça à côté, quoi. Alors, je vais mettre le lien de l'ITEM. Comme ça, vous pouvez aller voir cette Ouais, bien école. sûr. Ça c'est intéressant ce que tu disais. J'allais poser une autre question, mais on va enchaîner là-dessus. Tu dis qu'il y a des endroits dans la France qui sont moins développés, etc., qui sont peut-être moins fournis. Et c'est Bien sûr. aussi, je sais que toi, tu as ouvert un deuxième atelier là à Lyon. Ouais, Est-ce que tu exactement. as aussi le projet de développer ça un peu partout? Parce que. Non, à Lyon, c'est une bonne opportunité. J'ai eu l'opportunité. Alors, déjà à Lyon, il faut savoir qu'à Lyon, en fait, évidemment, il y a le CNSM, il y a beaucoup de conservatoires, le CRR, pas mal. Enfin, c'est une région assez riche de musique. Et en fait, moi, en étant en Bretagne-sur-Orge, je faisais 25% de mon chiffre à Lyon. Ah oui, donc tu t'es dit, ce serait bien que j'aille là-bas en fait. Voilà, et en fait j'ai eu l'opportunité. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand je te disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à vouloir vendre, il a fallu que j'appelle les marques pour avoir des pièces détachées. La première personne que j'ai appelée, c'était le commercial de chez Bach, que j'ai appelé, qui est venu me voir, et on s'est très bien entendu tout de suite, et on s'est tellement bien entendu que cette personne, c'est mon associé et mon responsable du magasin de Lyon. Ça, c'est énorme. Et donc voilà, et c'est rigolo parce que lui, on en parle très souvent, hein, genre lui, il m'a vu à débarquer, il travaillait avec tous les gros magasins. Moi, je suis arrivé à 20 ans, je dis bah, je veux faire ça, je veux faire des ventes et tout. Et ce que je veux dire aussi, quand tu disais des débouchés, on ne se rend pas compte aussi à quel point ce marché est tout petit. Déjà, il faut savoir que le marché des instruments de musique, la vente d'instruments de musique en France, c'est plus petit que le marché du fer à repasser. C'est un truc Ouais, qu'on mais oublie tout le monde souvent. a besoin d'un fer à repasser à la maison. Ouais, non, Alors qu'une trompette, ouais, tu ouais. vois. Et donc là, je parle du marché global de la musique, même pas des cuivres. Donc quand tu parles des instruments avant et des cuivres, c'est voilà, c'est pour te donner à quel point c'est petit. Et ce qui était rigolo, je m'en souviens, ce qui m'avait moi choqué, moi ayant pas appris la vente, etc., quand j'ai commencé à vendre, j'ai commencé à vendre bah, des trompettes Bach pour les citer. Et bah, je commençais à vendre une, deux, trois, quelques trompettes. Et à un moment donné, ce commercial, il m'a dit, ah, c'est super, t'es le troisième vendeur français. Et j'en avais tellement peu vendu Tu te dis, mais que enfin, je... comment c'est possible? Et en fait, je me suis rendu compte que le marché, il est minuscule en fait. Il est vraiment minuscule. Et c'est vrai que, ben, on le voit bien, les trompettistes professionnels, les profs, on se connaît quasi tous. C'est vrai, c'est vrai. Et on Et change en pas fait, de trompette tous les ans en plus. on change pas de trompette tous les ans. Alors certes, bon, on a tout un parc de trompettes, trompettes en ut, trompettes en si bémol, et j'en passe. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point c'est un petit marché. Et donc, c'est comme ça qu'après ça s'est développé. Donc après, pour répondre à ta question, développer, en fait, je l'ai fait à Lyon parce que j'avais cette opportunité-là et ce marché-là. Après, pour le moment, j'ai pas forcément vocation à vouloir ouvrir d'autres antennes pour le moment. Voilà. Moi, je pense souvent à une région, tu sais, comme Toulouse ou le sud de la France, par exemple. Alors C'est vrai que c'est à assez Toulouse, riche. Hein. c'est assez riche de musiciens et de magasins. Il y a ces super magasins à Toulouse, ils sont au moins trois ou quatre. Mais par exemple, pour le coup, à Bordeaux, il y a très peu de magasins. Il y a des régions qui sont plus pourvues Un peu que plus d'autres. C'est isolé, ouais. vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a des, bah, comme le Nord, comme le Sud-Ouest, il y a des gens où culturellement on fait plus des instruments avant qu'ailleurs, quoi. C'est vrai. Alors, on a beaucoup de remarques dans le chat. On a des gens qui parlent de Gaël. Est-ce que c'est ton assistant, Gaël? Ouais, c'est C'est lui? mon, Ah bah voilà, c'est il est connu à Lyon, visiblement. voilà. Voilà, ouais, c'est Les gens disent le. merci, heureusement que tu es là pour nous, les étudiants. Dominique d'Ingreville du Nord qui nous dit bonjour. Et on a aussi Benoît Fouché qui a adoré ta blague sur les fers à repasser. Voilà, Là, c'est. ça fait plaisir. Alors par contre, ne vous lancez pas sur le marché des fers à repasser, il n'y a pas de marché non plus, Ouais, visiblement. Ça, c'est c'est pas ça. le bon plan. Mais ouais, Gaël, c'est mon associé à Lyon.
Et donc, qui a travaillé chez BAC. Donc, c'était rigolo parce que du coup, on bosse maintenant ensemble, on est vraiment associés, tu vois, on s'est plusieurs fois par jour au téléphone. Et c'est rigolo parce qu'il m'a donné une autre dimension à mon travail. Et c'est rigolo, il m'a un peu dévoilé les. Parce que nous, en magasin, on a les dessous un peu de la musique, mais même les dessous des magasins, je les ai eus par Gaël. Donc, c'est assez rigolo. Ouais, il t'apporte aussi ce côté vendeur ou commercial que tu n'avais ah pas ouais, forcément complètement, à la base. complètement. Complètement, Alors, complètement. ça c'est super. On va revenir à la trompette. Moi, Ouais. j'ai envie de te demander, parce qu'on est sur le stream de la trompette. Ici, Ouais. d'habitude, on fait des sessions de travail. Tu sais, on Ouais, chauffe, ouais. etc. Alors, est-ce que tu as encore le temps de travailler ta trompette? Et Alors, qu'est-ce que tu fais? pour être honnête, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le temps de travailler, comme beaucoup quand j'étais au CRR. Parce que j'étais au CRR de Boulogne, où j'ai eu mon prix avec Fred Prel. Et puis après, j'étais chez Marc Dejon aussi, à Saint-Maur. À l'époque, il était à Saint-Maur. Et donc, à l'époque, comme tout le monde, je travaillais plusieurs heures par jour, je faisais de la technique, je faisais tout un tas de choses. Et aujourd'hui, très honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup moins le temps. Quand je dois, alors là, comme tu le sais, maintenant, je développe des trompettes. Alors, quand je dois développer, Ouais. j'essaye, je chauffe un peu. Alors, moi, j'aime bien certaines méthodes, enfin, des choses super simples, les plogs, j'aime bien Ouais, c'est Christopher bien ça. Brass de Damro, j'aime bien Christian Léger aussi, j'aime bien Ah, Fritz son. Zamro, tu veux dire Fitness for Brass là? Ouais, Ah, ça c'est j'aimais génial, bien, ouais. j'aimais bien faire ça. Je sais Christian justement, Léger, Bruno, ouais, c'est bien aussi. ouais, je sais que Bruno Thomas fait des super méthodes aussi. C'est vrai. Il a sorti les 5 volumes de sa méthode. Je les entends tous les jours parce que je suis en couple avec une trompettiste et qui les travaille tous les jours. Donc, je les joue une fois ou deux, mais je les entends tous les jours au-dessus de l'atelier. Faut partager, faut bosser en duo les Donc, séquences de Gino Tomba. ouais, c'est ça. Et quand tu as le temps de jouer, alors qu'est-ce que tu joues du coup? Parce que ça va parler aussi aux gens qui nous écoutent, parce que il y a beaucoup de trompettistes qui sont en fait passionnés de trompette, mais qui font un autre métier à côté, et il y en a beaucoup dans Ouais. le chat. Donc qu'est-ce que toi tu fais quand tu as le temps de faire? Bah, quand j'ai le temps de faire, c'est un peu particulier parce que c'est toujours en lien avec mon travail. Donc, en fait, souvent, c'est des choses assez simples que je viens de citer. C'est souvent des trucs super lents, super. C'est pour voir la justesse d'une trompette, Ouais. pour voir La comment elle résonance, le fait, à timbre, la tout. Ouais. résonance, enfin, voir des choses assez techniques. Et donc, souvent, c'est des choses assez simples. Et en plus de ça, en tant que trompettiste, tu vois, j'avais. Parce qu'après, comme tu sais, je suis au Paris Brass Band et Ouais. moi, je suis pas le roi de la technique. Mon surnom, quand j'étais chez Fred Prel et qui m'a suivi après au Paris Brass Band, c'est Moufle d'Or. Donc, c'est pour te dire. Alors, C'est Pierre quoi? Gillet m'a appelé comme ça aussi. Ouais, non, mais ça, c'est un peu le surnom Polio des commun. doigts, polio des doigts. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, j'ai 5 pouces à la place des mains. Et du coup, ça m'a un peu suivi. Et donc, du coup, tu vois, je m'amuse pas à aller faire des trucs super vite. Tu vois, ceux qui me connaissent, ça va les faire marrer. Tu vois, notamment Benoît Fouché, là, je vois, je suis sûr, il est mort de rire. Et c'est vrai que donc, quand je dois jouer, c'est souvent pour essayer des choses. Et donc, du coup, voilà. Après, ce qui est rigolo, c'est que, par contre, moi, la trompette, forcément, c'est mon travail, c'est ma vie. Et y a une chose que j'ai vachement, vachement, vachement affinée avec mon travail, c'est l'oreille. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément, enfin, on nous sensibilise pas forcément quand on est étudiant à ça, à écouter, mais pas écouter pour écouter. Souvent, moi, quand j'ai des étudiants, parce que j'ai toutes les strates des étudiants, hein, des étudiants de conservatoire, de CRR, CNSM, bien souvent, même quand je demande aux gens, mais vous aimez bien quels sons? Alors déjà, c'est un peu difficile à définir, mais en plus de ça, ou sinon je leur dis, mais tu aimes bien quel trompettiste? Alors ils me citent tel trompettiste, mais pourquoi tu aimes bien son son? Ouais, on sait Pourquoi? pas voir les subtilités d'un son. Voilà, et c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à. En fait, c'est un peu comme plein de choses, hein, comme quand tu manges ou quand tu goûtes un vin, quand tu arrives à dire, si tu sais, je l'aime bien, après, en fait, ça t'aide pas à aider pourquoi tu l'aimes bien, qu'est-ce que tu aimes bien, c'est qu'il est un peu épicé, il est un peu comme ci, un peu comme ça. Et les sons, c'est exactement pareil, et finalement, après, ça t'aide à construire ce que toi, tu aimes bien comme Ouais, c'est son. vrai, t'as complètement raison. Et après, vers quel son tu veux aller, hein, après, je veux dire, et c'est vrai que. Du coup, dans mon travail aujourd'hui, forcément, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et le peu que je travaille, souvent, je me fais la réflexion que quand je travaillais beaucoup, je travaillais certainement pas assez bien. Et surtout, cette notion-là, l'ayant pas, je perdais beaucoup de temps. Ouais, je pense, je vois ce que tu veux dire. Et je perdais beaucoup de temps parce que je ne savais pas où je voulais aller, alors qu'aujourd'hui, quand je fais quelque chose, je sais un peu plus où je veux aller. Et bien souvent, je m'amuse à faire des choses. Tu vois, on en parle souvent.
avec ma copine qui des fois pour rigoler, tu vois, je refais un concerto d'Haydn ou des choses comme ça. Franchement, je le joue pas beaucoup moins bien qu'à l'époque où je faisais beaucoup beaucoup d'heures. Mais je pense que c'est dû au fait que bah, j'ai beaucoup plus, je sais un peu plus ce que je veux alors qu'à l'époque je savais pas forcément. Après, on nous dit souvent, quand on est en cours, de fabriquer un peu notre son par mimétisme, c'est-à-dire d'écouter beaucoup de Ouais, trompettistes complètement, et de se complètement. reconnaître dans un ou l'autre et de Ah copier, ouais, même complètement. dans le Mais c'est... jazz, hein, ça, Ah ouais, on complètement. Mais tu dit, as ouais. des gens qui ont une vraie pédagogie du mimétisme. Hein. Je sais que moi, tu vois, j'ai travaillé avec Marc Gejon. Il fait beaucoup ça. Et lui, il tenait ça lui-même de Aubier, parce que c'était un élève d'Éric Aubier. Et je sais que certains profs bah, ont la vertu de l'exemple marche beaucoup, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut toujours bien jouer aussi quand on est Ouais, bien professeur sûr. et Ouais, savoir expliquer. Alors, on a des messages qu'on va relayer parce qu'on a un beau message de Gérald Roland que tu connais bien aussi, qui dit qu'il te connaît depuis des années et qui peut que te recommander parce que, et là, on est exactement en train de parler de ça. Il dit qu'à chaque fois, tu es à l'écoute et tu lui apprends plein de choses. Et c'est vrai que là, en t'écoutant, on apprend aussi. Rien que moi, des fois, je dis à mes élèves, écoutez de la trompette, on oublie qu'il faut écouter pour jouer aussi. Et Ah ouais, complètement, ça, c'est important complètement. de le répéter. Et après, il y avait un message de Bruno, et c'est assez intéressant. Tu vois, quand on parlait de développer un peu les activités, lui, il dit que ce serait pas mal de créer un maillage français de services, tu sais, avec un petit peu genre des centres de réparation et des relais dans les grandes villes. Je pense que c'est un peu ce que tu cherches à Ah, faire aussi complètement. quand tu ouvres un Ah, peu mais à moi, Lyon, tout ça. je... Ah, moi, les gens qui m'appellent d'autres magasins, d'autres ateliers et tout, enfin, je considère qu'il n'y a aucun secret, il n'y a rien qui est secret défense. Donc, moi, les gens qui me demandent comment je fais telle chose et tout, je suis toujours super ouvert. Et tu vois, Gérald, il dit, ah, il connaît plein de choses et tout, mais je connais plein de choses parce que, enfin, en fait, même des fois, avec un stagiaire de troisième, je vais apprendre des choses parce qu'on va échanger Ouais, et. t'écoutes les autres en fait. Ouais, je suis super curieux de tout. Et c'est vrai que ouais, il y a plein d'ateliers. C'est vrai que plein d'ateliers. Et j'ai eu cette expérience-là, c'est rigolo parce que à Lyon, donc, on a parlé de Gaël, qui est mon associé, mais j'ai également un réparateur qui est plus vieux que moi et qui a bah, dans les 45 ans, mais qui lui avait travaillé dans un magasin pendant 20 ans. Et quand je lui ai dit, bah, écoute, on va faire comme ça, il a appris, mais enfin, c'est comme s'il avait appris son métier à zéro, alors que. Il a travaillé pendant 20 ans dans un magasin et qu'il savait travailler, mais en fait, on a refait Vous avez plein de refait les choses. méthodes, les façons de Ouais, fonctionner. on a refait plein de choses et c'est vrai que bah, une fois et maintenant il me dit mais ah mais je sais pas comment je faisais avant. Enfin Ouais, c'est fou. et c'est pour ça ouais c'est sûr que il y a plein de petites choses que qui sont à l'ITM, on apprend plein de choses mais il y a plein de petits détails sur les cuves c'est un peu nébuleux, on ne sait pas trop comment ça marche. Tu vois, tu mets une embouchure de trois pistons et c'est tout. Tu vois, ça s'arrête un peu là, alors que c'est super précis. Hein, Et les embouchures, on pourrait en parler pendant des Ah heures. bah bien sûr, ah, bien sûr les Ça, embouchures. moi j'adore, j'en ai plein. Moi je Ouais. considère qu'on peut changer d'embouchure en changeant de morceau. En fonction du son qu'on veut avoir, des sensations qu'on Ouais, veut bien sûr. avoir, on peut changer tout le temps. Quand j'ai passé mon concours CNFPT, j'avais une épreuve instrumentale et je suis arrivé, j'avais 4 morceaux, je devais jouer 4 embouchures quoi. En Ouais, bien fonction de sûr, ce que bien je sûr. voulais, en fonction du morceau, etc. C'était Moi, vraiment. je dis souvent les embouchures, c'est un peu comme les chaussures. C'est-à-dire que bah, tu as une taille un petit peu de chaussures, mais après, tu as des chaussures pour aller en ville et il y en a d'autres pour aller faire du running, quoi. Bah, c'est un peu C'est pareil, ça. selon ce que tu vas faire, il faut que tu adaptes ton matériel. Et donc, c'est vrai que bah, après, c'est vrai que les embouchures, le trompettiste, surtout sur tous les cuves, le trompettiste. Parce que ce que j'ai découvert également dans mon métier, c'est que quand tu règles les instruments, bah, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de grands professionnels. Du fait que malgré tout, la trompette, c'est un instrument assez physique, quoi qu'on en dise, c'est assez physique, donc ça devient très mental et le matériel a une part assez importante. Et Tout du à coup, fait. j'ai lié vraiment beaucoup d'amitié avec certains de mes clients qui, voilà, qui sont devenus des amis parce qu'on rentre vraiment dans leur intimité et on essaye de les aider à avancer, quoi. Mais c'est vrai que les embouchures, c'est quelque chose qu'on peut parler pendant des heures et c'est un peu. D'ailleurs, les autres cuivres ou les autres musiciens se moquent de nous souvent avec ça parce que C'est quelles vrai. embouchures tu joues parce que c'est vrai que c'est important pour les trompettistes. Après, il y a des trompettistes qui changent pas du tout et qui aiment bien. Après, Ouais, mais chacun souvent se quand trouve tu sa échanges avec sensation. eux, c'est par peur, entre guillemets, parce qu'ils savent que Ouais. ça marche et il y en a qui n'aiment pas changer
pour parce qu'ils ont peur de l'inconnu, quoi. Alors Bruno, il nous dit c'est dangereux d'aller chez Adrien parce qu'on n'arrive plus à sortir et c'est dur pour la carte bleue. C'est vrai, c'est vrai. Il faut faire attention. Ah, y aller ouais. toujours sans argent, comme ça, au moins aucun problème. Voilà. Il y a des gens qui nous disent bonjour. On a Eric Mussot sur YouTube, on a Franck Reynard sur Facebook. Bonjour à tous. Hein. On va continuer. On va toujours parler de trompette et je pense que c'est peut-être le moment d'aborder parce que on a bien vu comment t'es arrivé à réparer des instruments, la pratique de la trompette, qu'est-ce que tu gardes, etc. Comment t'en es venu à vouloir fabriquer ta propre trompette? Alors, c'est un petit peu dans ce qu'on disait. Tu vois, on disait il y a plusieurs embouchures pour certains types de morceaux. Et moi, je suis passionné de trompette. Et puis, alors, il y a quelques années, tu sais, j'ai changé de logo. Et dans mon logo, tu sais, c'est cuivre à la française, tu vois. Et donc, à force de le voir, ce logo-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est les cuivres à la française? Est-ce que ça existe encore? Ouais, non, mais que ça existe encore, c'est quoi, ça représente quoi? J'ai eu la chance d'aller avec, tu vois, avec Marc Dejean, je suis déjà allé aux États-Unis. J'ai déjà développé une trompette en collaboration avec Schilk. Et quand c'était fini, on est allé avec Marc visiter l'usine et puis leur montrer ce qu'on avait fait. Et puis Marc faisait des masterclass le soir. Je suis déjà allé aussi avec Clément Soignier aux États-Unis. Et je voyais bien que pour les étrangers... la France, c'est quand même un pays de la trompette et de tradition. Et ils posaient souvent plein de questions intéressantes. Et donc, du coup, quand j'ai créé ma trompette, d'où ça a germé, c'est de me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Et évidemment, il y a des grands concertos français qui sont super connus. Alors, notamment les Jolivet, les Tomasi, les Chênes, les Planète, enfin, tout ça. Et moi, c'est des concertos que... C'est rigolo, quand j'étais étudiant, c'est pas des concertos qui me faisaient vibrer, puis en vieillissant un petit peu, justement, on parlait de son, etc., moi, c'est des concertos dont je suis devenu vraiment fanat, et puis dans des enregistrements d'époque. Et alors, aussi influencé par aussi une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que, comme beaucoup d'orchestres français, pour la musique allemande, joue la trompette à palette. Et donc, du coup, je suis allé avec des musiciens choisir des trompettes à palette dans plein de petits artisans. Et souvent, c'est des petits artisans, c'est des entreprises qui étaient à peu près de la taille de la mienne et qui faisaient leurs propres trompettes avec leur propre esthétique, etc. Et il y avait aussi, souvent sur ces fabricants-là, un maillage derrière de fabricants. Parce que si on prend les trompettes à palette, il faut savoir qu'il y a deux fabricants de blocs palettes en Allemagne qui fabriquent pour tout le monde. Et puis, en fait, ils font un peu leur conception et de l'assemblage, les Allemands. Et moi, je me suis dit, sur quelle trompette a été créé ces fameux concertos français des années 50? Alors, j'ai pris mon téléphone. Donc, c'est arrivé pendant le confinement, ça, où j'avais un peu plus de temps. C'est quelque chose qui germait chez moi depuis un moment. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé... La légende Roger Delmotte, qui a 96 ans, que tu pourrais peut-être inviter. Putain, parce il que est toujours... Mais tu peux l'inviter, il est très branché et tout. Ah ouais, il fait des trucs c'est et tout. C'est une bonne idée, ça. Il est génialissime. Et puis, il est bavard, tu vois, tu peux faire une émission de 3 jours, si tu veux. Roger Delmotte, mais j'ai joué tellement de choses qu'il avait réécrit avec ouais, les articulations bien sûr. Et tout. Et donc, du coup, je l'ai questionné sur quelle trompette il jouait pour... créer les concertos français, parce que c'est lui qui a créé surtout les Jolivet, lui. Et donc lui, il jouait des trompettes Aubertin, qui était un artisan qui était à Aubervilliers, qui était un super artisan. Et donc du coup, j'ai eu l'envie alors j'ai un ami collectionneur, donc tu vois, je sais qu'il est là, justement Benoît Fouché, là, qui posait des questions. Et Benoît, c'est un grand collectionneur, c'est un ami, et il a plein d'instruments. Et du coup, je lui ai déjà restauré des Aubertins. Je dis, mais tu pourrais pas m'en prêter une qui est vraiment super, que tu trouves super, et pour vraiment prendre toutes les mesures, démonter cette petite partie pour pouvoir reprendre les mesures. Et donc, de là à germer, de refaire une trompette inspirée de ça. Puis en fait, dans l'avancement du projet, j'ai commencé à vouloir refabriquer ça. Et j'en ai parlé à Marc Gejon, parce que Marc Gejon, je travaille souvent avec lui, parce que géographiquement, il est juste à côté de l'atelier. Donc, il est un saut de moto de l'atelier. Donc ça va vite, dès que tu as un truc à aller faire essayer. Voilà. Marc, j'arrive. Voilà, c'est ça. Puis lui, il passe sa journée dans son garage à bosser, de toute façon. Exactement. Donc, c'est rigolo, parce que... Et puis, quand tu fais des choses comme ça, des réglages, tu vois que même quand je faisais des choses comme ça, quand tu as la chance d'avoir... Quand tu règles des voitures et que tu as Schumacher pas loin, c'est sympa. C'est clair. Et donc, du coup, voilà. Et puis, donc,
j'ai développé cette trompette-là au départ, voilà, pour m'amuser. Mmh. Et puis en fait, plus le projet a avancé, plus je me suis rendu compte des perspectives que pouvait offrir cette trompette, parce que tu as David Guerrier qui joue ces instruments-là et qui le revendique, et voilà. Et du coup, j'ai voulu créer une trompette française, bon, déjà par la fabrication, mais aussi dans le son et dans l'esthétique. Mmh. Et en fait, je l'ai créée, c'est pour ça que la perce est si petite, je l'ai créée en fait, pas comme un instrument de substitution des trompettes qu'on a actuellement, mais un instrument complémentaire pour jouer ces musiques-là. Pour un autre répertoire, en fait. Ou un répertoire français, mais aussi, tu vois, maintenant, j'ai pas mal fait essayer, et puis en fait, finalement, la musique est assez légère, où on a besoin de beaucoup de timbres, et donc voilà, et donc c'est vrai que je l'ai fait essayer à tout un tas de gens, et tout le monde a trouvé ça super. Et puis là, après, évidemment, c'est pas une copie stricte, hein, c'est pour ça que je dis pas une copie d'Aubertin, c'est une inspiration, parce qu'il y a plein de choses que j'ai modernisées, mmh, là, dans le bloc piston, parce qu'à l'époque les ressorts étaient en dessous, et tout un tas de petites choses, et tu vois, c'est tout frais, mais je l'ai fait essayer à David Guerrier cette semaine, et David Guerrier il en a 4 d'Aubertin. Et en fait, il trouve ça, il est super emballé, parce qu'il veut la jouer, la trompette, parce que bah, c'est une Aubertin au mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ouais, les contraintes. Parce que la Aubertin, c'est tellement petit que t'as une beaucoup, beaucoup, beaucoup de retenue, et c'est une trompette super exigeante. Là, c'est beaucoup plus facile, et donc du coup, je l'ai créé dans cette esthétique-là, quoi. On va donner les caractéristiques, là j'ai mis le lien dans le chat, que ouais, les gens puissent, ouais, aller voir, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la perce, c'est un sujet en fait qu'on parlait en off avant l'émission, ouais, qu'on a tous l'habitude de jouer des plus grosses perces maintenant, 1,6, ouais, 1,7. J'en ai parlé avec justement Roger Delmotte. Ouais. Et lui, il sent cette évolution, il a senti au fur et à mesure qu'on ouvre les parler, c'est quelque chose. Ah bah, pour te citer un exemple, c'est qu'il n'y a pas eu, lui, il jouait une Aubertin, et puis après il a joué une Bach, mais il n'y a pas eu de truc au milieu, tu vois, progressif. Et le premier service qu'il a fait à l'Opéra de Paris avec cette trompette-là, c'est quelque chose qu'il a rencontré plein de fois, mais une fois qu'il a joué, à son service, bah, ses collègues bassonistes, clarinettistes, ils sont venus le voir, mais ils lui ont dit, mais Roger, mais pourquoi tu l'as fait au bugle ce soir? Ça, donc, c'est génial. C'est pour te donner un peu l'esthétique. En plus, à l'époque, ça jouait vraiment... En plus de ça, les embouchures n'étaient pas forcément les mêmes, et ça jouait encore plus timbré. Donc voilà. Mais pour parler, ouais, de ma trompette, donc la caractéristique, c'est que le pavillon est beaucoup plus petit. La perce est toute petite. Et par contre, pour contrecarrer ça, il y a une chose, c'est que la coulisse d'accord est conique. Ouais. Donc, cette conicité, ça t'amène un peu de liberté. Et puis également, la feuille de métal est un peu plus lourde. Donc, c'est un instrument qui est un petit peu plus lourd. C'est plus épais, quoi. C'est un peu plus, mmh, épais. Et donc, ça contrecarre un petit peu ce côté ultra brillant du petit pavillon et de la petite perce, quoi. Alors, on a des messages que je vais te relayer par rapport à ça, justement. Un hors sujet, mais on a des gens qui demandent si, à part les trompettes, t'es intéressé par construire d'autres cuivres. Par exemple, des trombones, on nous dit. Bah, c'est quelque chose que j'exclus pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu vois, je fais la trompette, ça demande beaucoup de développement, etc. Mais pourquoi pas, c'est quelque chose, je m'exclus pas de faire ça. Tu vois, je commence déjà à travailler sur d'autres choses aussi à côté. Tu vois, je pense aussi à des instruments d'ordonnance, des choses comme, mmh, ça, qui sont plus forcément faites. Donc ouais, pourquoi pas. C'est pas quelque chose, pas oui, mais pas non plus. C'est, et est-ce que t'as pour projet aussi de faire des copies d'embouchures Aubertin? Alors oui, c'est des choses. J'imagine c'est Benoît, ça. J'ai pas vu la question, mais non c'est Yves Bellens. Ah ouais, d'accord. Il y a Nicolas Pardo, oui, aussi qui, ouais, dit bonjour. Il est là et il dit que ça fait 15 ans que vous connaissez. T'es vraiment quelqu'un de super. Il dit très professionnel, ouais, passionné, toujours à l'écoute. Voilà. Après, pour revenir au message qu'on a eu juste avant, on a eu un message de Gérald Roland et Bruno Tomba qui nous demandent, enfin justement, Gérald dit j'ai hâte de l'essayer avec le pupitre à l'orchestre, je pense. Ouais. Et du coup, Bruno demande jouer Ravel avec la trompette Alfred. Est-ce que tu as déjà des retours de pratique dans l'orchestre? Ouais. Ah ouais, super, ouais carrément. Mais je suis même surpris parce que, si tu veux, cette musique-là, tu vois, on parlait de David Guerrier, lui, c'est quelqu'un qui joue ça depuis longtemps. Mm-hmm. Et donc, bah déjà, j'étais content parce que le fait qu'il trouve la trompette bien, tu vois, il va la jouer très bientôt, ça légitimisait le projet. Bien, mais il y a des gens qui n'étaient pas du tout dans cette veine-là d'instruments anciens, etc., qui n'étaient jamais intéressés, à qui j'ai fait essayer la trompette et qui ont tout de suite adopté le projet. Tu vois, Nico Châtenay à l'Opéra, il est impatient, il va en acheter une pour certaines musiques. Tu vois, actuellement, j'ai fait essayer à Alexandre Batty il y a très peu de temps. Mmh. Et
lui, il n'est pas forcément, tu vois, il joue que des bacs, etc. Il a trouvé ça super. Et donc, du coup, il la joue, d'ailleurs, tu pourras mettre, je t'envoie le lien. Il la joue, je crois que c'est le 8 ou 10 février à la radio. Ouais. Ils font les fanfares liturgiques de Thomasy, Ouais. mes trompettes. Et donc, toute la section, j'en ai prêté trois pour que la section en ait. Et donc, du coup, j'ai commencé à assister à leurs répétitions. Et c'est vrai que ça amène une couleur. C'est un peu comme la trompette à palette sur la musique allemande. Ça amène une couleur qui est assez sympa parce que c'est très brillant. Et c'est un peu comme le compositeur elle a pu l'entendre au départ. Et d'ailleurs, sur ce concert-là, c'est assez rigolo. Je ne sais pas si tu sais. Dans le même concert, il y aura le concerto de Thomasy Ah, de j'ai trompette. trouvé la pub, je vais mettre. Ouais. C'est avec Akan qui vient en plus. Ouais. Et en plus, y a peu de gens qui savent ça. Le chef, c'est Fabien Gabel, qui est également Tout à trompettiste. fait. Et en fait, Fabien, il a acheté le manuscrit du concerto de Thomasy il y a quelques années, enfin, il y a quelques mois, années. Et en fait, il s'est rendu compte que dans le troisième mouvement, ça passait, je ne sais plus exactement, mais ça passait genre du chiffre 45 à 75, donc il manquait une page, quoi. Donc, du coup, il a rappelé la famille de Thomasy. Et en fait, ils ont découvert dans le troisième mouvement quasiment deux pages de musique Qu'on n'avait plus en fait. qu'on n'avait plus et qui avait été retirée volontairement à l'époque par Vaillant, pour qui devait faire la création ou pour ses élèves, c'est un peu obscur, on ne sait pas trop, mais qui les a fait retirer et puis ça a été édité comme ça. Ah, c'est Et dingue ça. On découvre une donc, nouvelle partie de Thomasy, quoi. voilà. Et donc, du coup, Okan joue cette partie-là et il le joue Super. ensemble avec Fabien Gabel. Il le joue dans plusieurs endroits pendant un an. Il a un petit peu l'exclu de cette version-là. C'est rigolo de réécouter cette version, quoi. Ouais, ils ont un beau programme hein, quand on regarde. Ils font West Side Story, les danses symphoniques, le concerto de Ouais. Thomasy avec les fanfares Ouais, liturgiques. ouais. Ils font aussi du Duke Ellington, Harlem, en plein milieu. Ouais, ouais, C'est assez intéressant. Donc voilà, ouais. Ouais. j'ai mis la publicité dans le chat. Et le N'hésitez pas à même regarder. jour, je crois, enfin, ou la même semaine, à l'Opéra de Lyon, il joue Pulcinella. Et Jocelyn Madvey jouera sur ma trompette. Parce que, C'est génial. bon, Jocelyn, j'étais au CNSM avec lui. ouais. Et donc, Jocelyn, pareil, il est venu l'essayer à Lyon, là, il y a très peu de temps, il a trouvé ça super. Parce que ça peut être joué, évidemment, comme je disais, sur la musique française, mais sur toute la musique un petit peu très brillante, comme peut l'être la Pulcinella. En fait, il y a plein de choses on joue à la trompette en ré. Par couleur, mais c'est vrai que la même chose avec une trompette de ce type-là, ça peut être sympa, quoi. Alors, par exemple, on a des messages que je vais te relayer. Ouais. On a Bruno Tomba qui dit quand je peux venir essayer cette trompette. Je pense qu'il veut venir jouer dans une alouette. Il n'a pas encore joué. Du coup, là, je suis un peu dépassé par la demande parce que j'en ai fabriqué les 6. Quand est-ce qu'on en a une au stream de la trompette d'ailleurs? Quand est-ce qu'on en joue sur Internet? Ouais, c'est ça, j'en ai 6 et les 6 elles sont à l'essai parce que David Garrier en essaie une. Il y a comment à Lyon, il y en a une dans mon magasin à Lyon. Ceux qui sont à Lyon, ils peuvent aller l'essayer Ah, voilà, ça au c'est un message à magasin. passer. Voilà, et celles qui sont à la radio, là, je les récupère le lendemain du concert et j'en aurai 4 Moi j'ai qui seront prévenu au ma femme. magasin. J'ai dit écoute, économise, t'as eu un iPhone 8 à ton anniversaire, un voilà. iPhone 12, moi c'est ma trompette à mon anniversaire. Et donc du coup ouais à partir de là de mi-février j'en aurai pas mal à Brétigny et puis après là j'ai reçu toutes les pièces comment on appelle ça la matière première pour Pour pouvoir en les fabriquer fabriquer d'autres, quoi. ouais donc du coup voilà. Alors, on a des messages, par exemple, François, il nous dit qu'il faudrait vraiment rééditer Thomasy. C'est une bonne idée, hein. Je pense que c'est dans le projet de Fabien Gabel dans la Ouais, suite. j'imagine que c'est dans le projet, ils sont en Là, il va contact garder avec l'exclusivité un an quand même pour Oui, dire c'est ça. Je son crois qu'il y a une travail, quoi. histoire d'exclusivité avec Okan, mais je crois que ça va être édité. Je sais plus chez qui c'est, chez Durand ou je sais plus chez qui c'est, Thomasy. Mais je crois que c'est un projet, ouais, qui va être rajouté, ouais. Alors, je vais relayer des questions. Par exemple, Franck, il nous demande, est-ce que le côté esthétique des trompettes joue sur la vente? Les nouvelles trompettes Lotus, etc., font des modèles avec une certaine forme de coulisse d'accord, tu sais, un peu ovale, etc. Ça les rend Ouais, plus belles, mais est-ce que ça a juste un intérêt commercial ou est-ce que ça a vraiment un intérêt? l'esthétique change, hein. Tu sais, ce que je dis toujours, le moindre gramme que tu vas rajouter. Moi, j'ai été formé, à tu vois, on parlait de formation aussi, et moi, quelqu'un qui m'a énormément, énormément influencé et qui est mon dieu de la mise au point, etc., c'est Bob Malone qui bosse aujourd'hui chez Yamaha, mais qui avant bossait comme moi, qui avait son atelier, qui a fabriqué des branches et tout un tas de choses. D'ailleurs, je fabrique des branches inspirées des siennes pour les trompettes.
pour les trompettes en luth, qu'elles La soient. branche Malone qui est très connue, très jouée. Voilà, voilà. Et je fais une. Parce qu'après, il bosse chez Yamaha, il fait un autre type, et du coup, j'ai repris. Une première, j'ai refait une branche inspirée de ces anciennes branches, mais pour revenir à ça, moi il m'a beaucoup influencé, ce monsieur. Et en fait, lui il t'explique que le moindre gramme que tu changes dans la trompette change. Alors, lui il va très 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 loin, c'est-à-dire que quand tu mets au point des trompettes, moi j'ai fait des tests à l'aveugle avec lui. Où ton troisième ressort qui est en cuivre, il le plaque or. Le met, tu vois, donc ça a changé, mais de moins d'un gramme. Et la trompette, elle est différente. C'est Donc, fou. tout change. Alors, il y a plein de choses, y a plein de choses qui changent. Mais c'est vrai que tout change tout. Donc, évidemment, la forme a une incidence. Après, il y a des choses qui ont plus ou moins d'incidence. Tu vois, la trompette, c'est relativement. C'est à la fois complexe et simple. C'est vrai qu'il y a trois éléments principaux. Tu as la branche, le bloc piston, donc, qui est la perce et le pavillon. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'esthétiques parce que tu vois, on parlait de Bob Malone, mais quelque chose qui a été très à la mode et qui était très à la mode à une époque, qui l'est un petit peu moins, mais qui a encore beaucoup joué, c'est les trompettes Spada. Ouais, que je connais aussi, ouais, de nom. Et c'est un petit peu Mais c'est le pareil, truc où tu pouvais tout régler, non? T'avais voilà, des vis, exactement. etc. Et c'est quelque chose c'est une vision un petit peu différente de celle de Bob Malone, parce que Bob Malone, lui, il considère qu'il faut que ça soit soudé, bien réglé, etc. Le Spada, alors ni l'un ni l'autre, je pense, enfin chacun a sa vérité, hein, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, tout est possible de faire, de régler. Mais c'est vrai que pour répondre à la question qui était les trompettes Lotus, qu'est-ce que ça change les formes? Oui, ça change. Est-ce que c'est moins bien ou c'est mieux? C'est différent, en fait. Donc c'est pas mieux ou moins bien. Après, De c'est toute vrai façon, c'est que. mieux pour quelqu'un, moins bien pour quelqu'un Ah, d'autre. moi, Ça, j'ai eu tout est différent. au sein de mon magasin, c'est des anecdotes que je raconte de temps en temps. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des trompettes, tu vois, dans le magasin que tu l'as fait essayer, tu vois, à l'époque, là, il y a Nico Pardo qui est là, des trompettes je la faisais essayer à tous mes copains, à Nico, enfin, plein de gens, et puis la trompette, même toi, tu dis, mais elle est nulle, elle est Ouais, nulle, elle est Nicolas, il nulle, nulle. réclame d'ailleurs avec impatience une trompette Alfred à Toulouse, hein, il a dit. Ah ouais, mais faut que j'aille à Toulouse, faut que. Mais Tu pour fais aller à beaucoup de Toulouse. kilomètres, j'ai l'impression, par semaine. Ouais, Ouais. mais faut que j'attends qu'ils rouvrent les restaurants et tout ça Et parce que c'est quand même important. mais donc, ouais, euh, tu disais, vas-y. ouais, ouais, et c'est une trompette qui était vraiment pas bien du tout, enfin que moi je trouvais pas bien du tout. Je sais plus quelle trompette solo est venue. Et la trompette, mais c'était la trompette de sa vie, quoi. Tu vois, genre il trouvait Ouais, ça c'est fou. incroyable, incroyable. Et je te jure que cette trompette-là, je l'avais fait essayer. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de c'est comme Astérix ou l'expédition Cléopâtre, il n'y a pas de bon ou mauvais script, quoi. Ouais. C'est la même chose. Sur les trompettes, tout Il en change faut tout. pour tout le monde, comme dit Bruno Voilà. Tomba. Il y a tous les Ah, goûts, quoi. complètement. Complètement, complètement. Alors, justement, on va revenir en haut. Il y avait Vincent, un tubiste à Lyon qui me fait rire parce qu'il dit faut pas confondre avec Vincent Malone. C'est vrai. Ne confondez pas Bob Malone et Vincent Malone. Ouais, c'est vrai, Ça c'est n'a vrai, rien c'est à pas. voir. Alors, Pas on tout a à des fait. questions qui sont un peu pertinentes, je pense, et un peu précises. Marie Dorme, par exemple, il dit on n'est sûrement pas dans la même gamme de prix. Alors, le prix. Bruno Tomba nous demande aussi quel est le Ah prix ouais, d'une trompette Alfred? alors le prix c'est 3 490 euros, qu'elle soit brute ou vernie ou argentée. Alors très honnête, pour être honnête, j'ai pas eu le temps d'en faire argentée parce que dès que les finies elles sont polies, à chaque fois elles partent Elles à sont l'essai, vendues, donc donc. j'ai pas eu le temps encore de les faire argenter. Mais là, je vais en fabriquer quelques-unes que je vais faire argenter avant de les faire essayer. Donc voilà, 3 400 euros, on est dans le prix d'une bague, ouais, d'une voilà, une bague Yamaha, voilà. Stradivarius, etc., quoi. Une trompette professionnelle, de toute façon, dans la Voilà. gamme de prix. Est-ce que tu as une volonté aussi de développer tu sais, par exemple, Bach, je sais qu'il a développé le modèle VBS, un peu moins cher que la Stradivarius, etc. Est-ce que tu as une volonté d'ouvrir la gamme, ou toujours Bah, de faire un... ça c'est un autre métier. Alors, c'est pas que j'ai volonté ou pas, mais tu vois, la Bach VBS1, c'est une super trompette, c'est un best-seller qu'on vend dans nos deux magasins. Mais la Bach VBS1, tu sais, c'est juste un pavillon en deux pièces. Enfin, juste, c'est une Stradivarius qui est fait avec un pavillon en deux pièces qui réduit le coût de production. Mais pour réduire le coût de production, faut produire par centaines et centaines et centaines. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas le moyen de production de faire ça, mais Bach le fait super bien dans cette gamme-là. C'est vrai que c'est une gamme, le milieu de gamme qui a le plus évolué ces dernières années. La VBS1, c'est une super trompette. Tu vois, je pourrais même pas le dire pour le commerce, mais tu seras une VBS1, tu mets un pavillon Stradivarius, c'est une Stradivarius, quoi. Bah, il le présente un peu comme ça aussi, je pense, hein.
Ah ouais, carrément, mais c'est vraiment une super trompette. Et c'est pas que du marketing, c'est vraiment une trompette qui marche bien. Je me suis même surpris, moi là, la VBS1, elle était sortie depuis quelques années. En été, j'étais, je sais plus où, je faisais une chauffe tout seul entre deux expos et tout. Et je pense cette trompette, je me suis dit, super, c'est quoi là? Et puis, je dis, mais oh, putain, mais c'est la VBS1. Et non, c'est vraiment une super trompette. Mais toutes ces gammes-là chez Yamaha, ils ont la 5335 qui a été refaite Ouais, il y a j'ai vu quelques ça années, aussi, c'est pas qui est mal. super. Il y a plein de. J'ai un C'est vrai que élève c'est qui une. a acheté une 53 Ouais, d'ailleurs. c'est toute une gamme de trompettes. La seule chose, c'est qu'en France, on joue beaucoup la trompette en ut, et ce qui Ouais. est, ils veulent pas le faire en ut parce que le marché est trop petit. Mais c'est vrai que si ça existait en ut, ça serait super parce que pour Et commencer justement, tu le. vois, par rapport à ut, j'ai une question que j'ai pas remontée, mais la trompette Alfred, tu l'as faite en. Il est marqué ut et si bémol sur ton site. Ouais, c'est ut et si bémol. Mais alors, j'ai fait des protos de si bémol et j'attends deux trois, enfin tu vois, de finir quelques détails dessus parce que donc comme je disais en fait, enfin comme c'est écrit, tu vois, la potence est conique sur ma trompette en ut comme l'étaient les trompettes de cette époque-là et sur la si bémol. Sur la si bémol, il y a différents moyens de faire cette coulisse conique. Et du coup, je retravaille dessus. J'attends des tubes pour pouvoir les étirer dans la taille du tube, voir quelle est potence. Tu vois, on est vraiment sur des détails de fin, mais quelle potence est idéale pour pouvoir finir cette trompette. Donc ça viendra, tu vois, d'ici un mois et demi, je pense que la cible sera vraiment finie. On n'est pas loin, mais voilà quoi. Et tu la destines à quoi aussi? Alors plutôt l'orchestre ou les concertos? Tu La si l'imagines bémol? comment? Ouais. Parce que la si bémol n'est pas Voilà. forcément beaucoup jouée en orchestre. Voilà, c'est pour ça. Et donc, du coup, la CB, je pense qu'elle sera un peu. C'est pour ça que je réessaye des potences coniques pour qu'elles soient un peu plus polyvalentes. Parce que là, telle qu'elle est, je pense qu'elle peut. Pour les gens qui font du lead, je pense que ça peut devenir un truc qui marche vraiment, vraiment bien. Parce que Pour la le jazz coulisse. alors du coup même. Ouvrir. Bah, pour le jazz, ouais. Après, c'est pour ça que je vais essayer avec d'autres coulisses pour même pouvoir la proposer peut-être avec deux coulisses, je ne sais pas encore, ou en option. Parce que la deuxième coulisse la rendra plus polyvalente, je pense. Parce que là, tel que je l'ai fait les premiers essais, ça marche super pour les mecs qui font du lead, mais ça fait un son très très timbré, quoi. Ouais. Alors, c'est bien que tu parles de perce conique parce que j'allais enchaîner avec ça en dernier sujet de l'émission. Je voulais parler brass band un peu parce qu'on a Ouais, parlé beaucoup de trompettes. Est-ce que tu as ouais. un projet aussi d'ouvrir vers le cornet et de fabriquer des cornets français un petit peu? Ouais. Ouais, pareil, c'est des choses que j'exclus pas, Parce que que tu joues au j'exclus. Paris Brass Band et je sais Ouais, que complètement. un des objectifs du Paris Brass Band, c'était de garder cette dimension des cuivres à la Ouais, française et vous carrément. n'avez jamais essayé de copier les Anglais de ce qu'on a essayé plutôt à Bah, Hauts-de-France. ouais, Alors, qu'est-ce que tu complètement. as ce souhait-là? Ouais. Ouais, c'est des choses que j'aimerais essayer. Après, c'est vrai que le cornet, enfin, il a eu comment dire, deux évolutions diamétralement opposées avec le mouvement brass band. Et le cornet français au départ, parce que Bien c'est un sûr. instrument typiquement français. Hein, parce que tu vois, Arban, les polkas, etc. ouais, complètement, et c'est rigolo. Tu vois, dans ma recherche que j'ai fait aussi pendant le confinement, je me suis amusé à relire énormément de littérature de ce type-là. Et c'est assez pauvre, il n'y a pas grand-chose, mais des trucs qui sont super, j'ai racheté, on peut les retrouver sur leur site, c'est sur, comment ça s'appelle, le Brass Bulletin. J'en ai acheté des dizaines et des dizaines et des dizaines des années 60, 70, et il y a beaucoup de choses qui racontent l'histoire des cuivres. Et c'est vrai qu'il y a certains instruments qui ont eu des évolutions différentes. Et le cornet, c'est vrai que, avec le mouvement brass band, tu vois, aujourd'hui, on a des cornets qui ont des perces. Tu vois, si tu prends Besson, qui est un peu le cornet roi du brass band, des perces très très grosses, presque plus grosses que des trompettes. Ouais, c'est clair. Parce que, parce qu'il y a une dimension, pour les avoir fait. Voilà, quand tu as certainement fait ça aussi, hein, les concours de brass band, c'est un peu qui joue le plus fort, le plus piano, enfin, tout ce genre de choses, et ils ont adapté le matériel à ça. Mais après, pour moi, c'est super pour cette pratique-là, mais du coup, on s'éloigne vraiment de la pratique initiale du cornet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre un cornet brass band et un cornet pour jouer de l'orchestre symphonique, c'est super différent. C'est super différent. Et si on parle du cornet français, le cornet français, il est très loin du cornet brass band, à savoir que c'était un son beaucoup plus brillant, beaucoup Ouais, plus. La bien perce sûr. était plus Mais ça petite. serait intéressant de voir comme produit, tu sais, pour Ah Berlioz, ouais, bien ce sûr. genre de traits, parce qu'il y a Ah ouais, non, beaucoup mais de traits qui sont au bien cornet sûr. à la base, en fait, Bien sûr, bien et qu'on sûr, bien fait en sûr. trompette aussi Et maintenant. comme je disais dans le Brass Bulletin, tu te rends compte qu'en France, jusque dans les années, je dirais années 20,
comment dire, l'instrument de prédilection, c'était le cornet. Mm-hmm. C'est après que la trompette a retrouvé ses lettres de noblesse et s'est développée avec des musiciens comme Sabarich. Tu vois, Fauveau, c'est entre les deux. Il jouait du cornet et de la trompette. Et c'est vrai que les esthétiques ont pas mal bougé à ce moment-là. Quoi. Et après, j'en parlais une fois avec Laurent Bourdon aussi, parce que c'était un regret qu'avaient certains trompettistes de la disparition des classes de cornet au CNSM, tu sais, que tout était passé trompette. Je suis d'accord. On disparaît les classes de cornet, on se transforme vraiment en cornet brass band. Et en fait, où est le cornet français maintenant? Est-ce qu'on joue encore du cornet français? Je suis assez d'accord avec ça, et c'est assez dommage que ces classes ont disparu, parce qu'il y a un vrai répertoire, il y a une vraie tradition. Et puis, tu vois, j'ai été interviewé il n'y a pas très longtemps par La Lettre du Musicien sur l'évolution des cuivres français, etc. Et la journaliste qui était sympa me disait que c'est assez dur, parce que ce que je lui racontais, plein de musiciens lui avaient raconté, mais c'est beaucoup de tradition orale. Il y a assez peu de littérature qui explique cette évolution-là. Et c'est assez dommage parce que le problème de la tradition orale, c'est que c'est un peu le téléphone arabe. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure des trompettes aubertins que j'ai copiées, que je ne dis plus, que je me suis inspiré plutôt. Aubertin, c'est quelqu'un qui a pratiqué, qui au départ faisait des blocs pistons, qui a fait des trompettes de 1900, Benoît, il va mettre, je crois que c'est 35 à fin 60, et il n'a jamais mis un numéro de série. Et donc du coup la production est longue et les trompettes tu les vois évoluer, mais il y a toute une mythologie qui existe. À telle époque ils mettaient des branches comme ça, les pavillons comme ça. Ouais, en fait il n'y a plus de chronologie, on sait plus vraiment. Voilà, on sait pas, et c'est vrai que c'est beaucoup de suppositions, mais on sait pas vraiment comment ça s'est passé, pourquoi mais c'est vrai que c'est très dommage qu'il n'y ait plus de classe à proprement dit du cornet, parce que c'est un instrument à part entière. Et on connaît tous, moi je connais certaines personnes qui jouent excessivement bien du cornet et qui sont moins à l'aise à la trompette ou inversement. Quoi. Donc, c'est vraiment un instrument qui a ses particularités, et il faudrait aussi... En fait, moi, tu vois, là on a créé Trompette Actu pour partager les actualités et tout, et il y a toujours une volonté de partager ce qu'on a appris, et je trouve ça dommage que le cornet, qui était quand même un monument, même avec Arban qu'il disparaisse, et il faudrait qu'on mette en avant des bons cornets. C'est sûr que... Tu vois, mon slogan, quand je te disais, ce qui m'a fait un peu réfléchir, c'est cuivre à la française. Mais quand tu réfléchis, c'est quoi les cuivres à la française? C'est vrai que j'en parle souvent de ça avec des gens comme Clément Saunier. C'est vrai que la France, c'est vraiment un pays de la trompette, et on a une histoire incroyable, quoi. Enfin, il y a eu Arban, On a quand même eu Maurice André, je veux dire. Ouais, non, mais bien sûr. C'est vrai que partout, tu vois, quand tu vas à l'étranger, la trompette, ils te disent Maurice André, quoi. C'est vrai que avec Clément, on organise souvent des masterclass au CRM, où les professeurs. Et quand les mecs arrivent, on leur dit c'est l'ancien CNSM, mais c'est là que c'est dans ce bâtiment qu'était prof Maurice André, les mecs qui sont en transe, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est bientôt une statue de Maurice André, de toute façon. Bien sûr, et c'est vrai qu'on a la chance. Et puis, on a la chance de... Il a fait vraiment évoluer le répertoire, l'instrument et tout ça. Mmh. Et c'est vrai qu'en France, on a toute cette tradition-là qui est dans nos gènes, qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est rigolo. Hein. Quand je te disais, c'était très oral. J'étais très surpris quand je suis allé à l'étranger écouter des masterclass d'où j'étais. Donc on parlait de Marc Guejon ou de Clément Saunier. Tu vois, j'entendais des gens jouer des légendes des Nesco, des Jolivet, des Tomasi. Il y a certaines choses que, en tant que Français, tes profs, tu vois, t'ont dit d'une certaine manière, tu joues comme ça. Tu sais, tu joues comme ça parce qu'on t'a dit de le jouer comme ça, et c'est une tradition. Et c'est vrai que eux, ils n'ont pas forcément les codes, et ils le jouaient, tu vois, un peu, tu vois, pour eux, aux États-Unis notamment, tu vois, l'Espagne, la France, l'Italie, c'est un peu pareil, quoi. Alors, tradition, quoi. Et alors, on a des bonnes remarques dans le chat. C'est vrai que Bruno Tomba nous parle d'une thèse de Xavier Canin sur Arban. Et je pense ça, si on a l'occasion, on fera un article là-dessus dans Trompette Actu, parler de ce travail de recherche aussi. Et s'il y a des étudiants qui sont en CA qui doivent faire des recherches, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. On a besoin de savoir l'histoire des cuivres à la française. D'ailleurs, je peux raconter un petit truc sur cette thèse. C'est qu'elle est vraiment passionnante. C'est très technique, mais c'est passionnant. Et... En faisant des recherches justement là pendant le confinement, j'ai refait des recherches sur cette époque-là, etc. Et j'ai découvert dans les petites choses que j'ai développées là il y a pas longtemps, j'ai refait une embouchure Arban, l'embouchure de cornet qui était à l'époque fait chez Courtois, qui est plus faite, donc j'ai refait ce modèle-là.
Et en faisant la bio de Arban, je me suis rendu compte qu'il était né à Lyon. Donc, comme j'ai un magasin à Lyon, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je vais relire un peu sa bio. Et puis, du coup, moi, je fais un peu de généalogie aussi. Donc, du coup, je suis allé chercher son acte de naissance. Et j'ai vu qu'en fait, la famille Arban, c'était une famille lyonnaise connue. Et que le frère d'Arban était un pionnier de l'aviation. Et que c'est le premier à avoir fait de la montgolfière et à avoir traversé les Alpes avec un ballon. C'est Tu vois. dingue, quelle famille. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, et son père, donc ça c'est son frère, et son père était artificier à la ville de Lyon. Et en fait, la paternité, un peu, c'était une tradition populaire lyonnaise de mettre des bougies aux fenêtres. Et lui, en tant qu'artificier de la ville de Lyon, c'est lui qui a un petit peu été aux prémices des fêtes de Lyon, des fêtes des Lumières de Ah Lyon, qui oui, d'accord. aujourd'hui. Donc, on doit aussi ça à la famille Arban. Une grande famille pour la France. Alors, on nous parle de Quénon. Est-ce que tu connais encore un peu Quénon? On lui dit Ouais, bien qu'il. sûr, ouais, Quénon, c'est aussi un Et grand, ils grand. produisent encore des trompettes ou pas? Alors, en fait, Quénon, ça a été fait. Alors, de mémoire, ça a été fait d'abord à Paris, puis après à Château-Thierry. Le problème de Quénon, c'est que l'usine a brûlé, je sais plus exactement quand. Et donc, ils continuent à produire, mais ils font surtout de la sellerie, ils font surtout des sacs, des housses sur mesure. Alors, ils fabriquent, mais vraiment de manière traditionnelle, et donc c'est vrai qu'ils font un peu plus des instruments d'ordonnance. Ouais, d'accord. Ok, et bah c'était passionnant tout ça. Alors, la fin de l'émission est toujours dédiée aux sujets variés. Est-ce que tu as des choses dont tu voudrais aborder? Même passer des messages publicitaires, tout. On a eu beaucoup de gens sur le chat, beaucoup de gens qui nous ont posé des questions. On nous a même demandé s'il y avait un bugle à la française, enfin plein de choses que j'ai pas forcément tout relayé. Non, écoute, c'était assez. J'aime bien. J'adore ta démarche. Je te félicite pour ça parce que je trouve ça super. Moi, c'est souvent. Je me fais cette réflexion-là. J'ai la chance dans mon magasin de rencontrer des gens super intéressants. Je te dis, je suis assez curieux de plein de choses. Et c'est vrai que bien souvent, tu échanges plein de choses, tu apprends plein de choses. Et dans mon magasin aussi, c'est une des fiertés que j'ai, c'est que les gens s'y rencontrent, des gens qui ne se connaissaient pas, et les échanges fait qu'il y a souvent des discussions super intéressantes. Et puis je travaille avec des gens aussi, je te disais, vraiment intéressants, et donc c'est super qu'il y ait des émissions comme la tienne pour pouvoir échanger et pouvoir, voilà, Parler que de les gens. trompette un petit peu. Voilà, ouais, Alors même complètement. si en effet la trompette c'est quand même une petite niche, hein, plutôt réduite. Ouais, bien sûr, Mais bien sûr, bien sûr. on aime bien partager et on essaye de justement le faire avec passion. Eh ben merci Adrien, je vais pas te retenir Merci. plus longtemps, Non, non. vraiment, Eh c'était bien, très gentil. à bientôt. Et puis, merci. Et puis, bonne longue vie à Ben ton podcast merci, c'est et à ton super. émission. On Ça continuera, marche. on a tous les liens, donc je rebalancerai les liens de ton site Ouais, ouais, et de la trompette Alfred. Et on a bien ouais. compris qu'il faut les demander tôt parce qu'il y a de la demande et Ouais. Et le carnet de commandes va se. Ouais, un ouais. truc qui peut exposer un peu ma trompette pour voir un peu l'esthétique dont je me suis inspiré. Il y a un CD un peu emblématique pour moi de la musique française. On parlait de Maurice André. C'est le disque qu'il a fait chez Erato, où il joue de la musique française, où il joue Planel, toutes ces choses-là. Pour avoir questionné les gens qu'il connaissait, c'est fait sur une trompette type Haubertin. Et vous pourrez écouter le côté très, très timbré de ces trompettes, quoi. C'est le dernier CD de David Garay, c'est ça que tu me disais? Non, 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 de Maurice André, mais Ah oui. celui qui était fait chez Erato, où il y a tous les concertos Ouais. français. Donc, je sais par exemple le Planel, vous pouvez écouter le Je sais début, trouver ça. Et il a c'est fait vraiment. sur Haubertin alors. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai retrouvé des interviews où il parle d'Haubertin, mais le problème, c'est que Maurice André, il a toujours été sous contrat avec Selmer, et donc, du coup, il l'a joué un petit peu en Ouais. cachette. Et donc, du coup, il ne le revendique pas, mais c'est des choses. Voilà. Et puis, c'est assez caractéristique qu'on peut se rendre compte qu'il jouait ça là-dessus, quoi. Eh ben c'est très très gentil. Merci à Voilà. toi. Je vais te laisser tranquille. On se, de toute À façon, bientôt. on se Ouais, retrouve bientôt et puis j'espère que merci. j'économiserai assez d'argent d'ici mon anniversaire. Ok, Voilà. à bientôt Salut alors. Adrien. Ça À marche très plus, au bientôt. revoir. Bon courage. Salut. Alors voilà, c'est terminé pour la petite interview. Merci à tous d'avoir participé et bonjour à Vitoneg, bonjour à. C'est déjà la fin, oui Tatiana, je suis désolé, c'est déjà la fin, mais à midi, il va falloir que j'aille manger. Merci à tous d'avoir participé, merci pour vos messages de soutien, c'est vraiment très sympa. Merci aux followers, hein, il y en a eu un nouveau, le Crevice B, ironique aussi, enfin bref, merci à tous les gens. Oui, on a été assez nombreux, ça fait plaisir. Je pense que les gens sont contents de partager des infos sur la trompette. Alors, je vous remets le lien de Trompette Actu parce que on développe tout ça, on travaille tout ça, on va essayer
Je vais essayer de lire cette thèse pour faire un compte-rendu là, de ce travail sur Arban, ça a l'air passionnant. En attendant, si vous avez des infos, si vous êtes trompettiste, envoyez-les nous. Nous, on relaye toutes les infos, sorties de disques, concerts, masterclass, actualité générale, c'est vraiment sympa. On partage de tout, comme je dis, la devise c'est partager sans juger. Hein. On n'est pas là pour dire ça c'est nul, ça c'est moche. Quand c'est bien, on le dit, on aime bien, mais quand on n'aime pas, on continue. Les stages sont annulés. Ah bah ça c'est dommage à Maridor. Mais bon, nous on continue, c'est le principe, le principal. La semaine prochaine, les streams de la trompette reviennent. Deux petits messages avant de partir. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de l'Audito. Alors c'est twitch.tv/CDP l'Audito. CDP l'Audito, ouais. CDP l'Audito, ouais. Hop, vous pouvez aller vous abonner à cette chaîne, parce que c'est sur cette chaîne qui vont avoir lieu les concerts de l'Audito. Voilà, l'Audito, qu'est-ce que c'est? C'est une salle de concert que je gère depuis 5 ans maintenant. Et il va y avoir un concert de trompette bientôt, où je vais pouvoir jouer le 6 février. Je joue en trio avec mon épouse qui est chanteuse lyrique et Aymeric Loriot qui est pianiste. On va vous faire un programme de musique d'inspiration française et très varié de toute façon. Ah, si tu as la thèse, Bruno, je veux bien que tu me l'envoies par mail, comme ça je pourrais lire tout ça. On va faire, voilà, moi j'ai mis, je vous dis pas le programme, vous verrez. Mais il y a des compositions aussi, notamment, que j'ai écrit des pièces pour piano, trompette et chant, d'inspiration un petit peu Thomasy, ce genre de musique. C'est assez sympathique, donc n'hésitez pas à regarder, ce sera sur Récitol. Hop. Et vous pouvez déjà commander vos billets sur notre site. Donc n'hésitez pas, et si les billets ne sont pas encore en ligne, ne vous inquiétez pas, ça va être bientôt le cas. En tout cas, toutes les infos sont sur le site de l'Audito. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, parce que je vais me faire tuer par ma femme. Et puis, il est temps d'aller manger, donc je vous libère tous. Merci d'avoir suivi. Bon courage à tous. Oui, c'est en février, Maridor. Je vous laisse tranquille, Adrien c'est le meilleur, c'est vrai, ça marche, son entreprise c'est en partie car il est hyper sympa, hyper commercial et très bon conseil, oui, et j'ai même envie de dire, en fait c'est un petit peu comme on avait dit avec Bruno la semaine dernière, ça fait plaisir de parler avec quelqu'un qui a la même passion et quand on a une passion, ça fait du bien de la partager et là on voit qu'il est heureux de partager tout ce qu'il sait, donc ça fait du bien. Je vous laisse tranquille, bon courage à tous, bon dimanche, on se retrouve lundi pour une session de trompette, ou mardi, ou jeudi, ou vendredi, de toute façon ça va dépendre un petit peu de mon organisation, et puis rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain stream invité avec Philippe Litzer. Et je vais vous mettre, alors si j'arrive à écrire son nom, Litzler, voilà. C'était top, merci. Merci Émilie, merci d'avoir regardé. Merci Dolly Vanner pour le follow. Et on est bientôt au 500e follow. Salut Vitonek, bon week-end et bonjour à ta mère. Et donc Philippe Litzer, ça n'a pas marché, j'ai mal dû écrire son nom. Je vais essayer Philippe, hop. À mon avis, j'ai pas mis Litzler comme je l'écris pas bien. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. On le recevra dans 2 semaines. C'est le trompettiste solo de la Tonhalle de Zurich. C'est un Français. Donc, on va pouvoir discuter un peu de sa façon de travailler, de ses coups de cœur, du répertoire. Enfin, tout ce qu'on fait habituellement sur le stream des invités. T'es chez ton père. Eh ben, bonjour à ton père et à tes sœurs. Je vous laisse tranquille. Amusez-vous bien. Et puis, à très bientôt, tout le monde. Bye bye. Alors, si vous aimez la trompette, ne partez pas tout de suite, parce que François a lancé une session de trompette. Donc on va aller faire un petit raid chez lui, vous allez voir, ça se passe bien. Pour ceux qui sont chez Twitch, hein. Ceux qui sont sur YouTube, ça, Facebook, ça ne marchera pas. Mais ceux qui sont sur Twitch, hop, on va pouvoir aller voir François. Donc n'hésitez pas, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde.